Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Père céleste, Dieu miséricordieux, nous te sommes très reconnaissants ce soir. Tata walikolo nzambe wa bolingo, totondi botondi neleko ya sima ya nzanga. Parce que toi, tu es le maître de temps, tu es le maître des circonstances. Yonde moko kisi ya tango pe gonga. Père, ce que toi tu décides, c'est ce qui se fait. Voici qu'en pareil moment, tu nous donnes encore l'occasion d'être unis à l'autel de grâce. Père, permets que nous puissions commencer avec toi et terminer avec toi. Beaucoup de tes enfants sont réunis par cette vidéo transmission, soit dans leur maison, soit dans leur lieu de travail. D'autres même dans les hôpitaux. Père, allonge ta main au loin et au près. Pour que toi-même vienne nous parler en ce moment. Chasse Satan et ses acolytes. Entoure-nous du service de tes anges. Nous voulons rester liés à notre apôtre de district et notre apôtre patriarche. Père, fais que l'unité de l'apostolat puisse se prévaloir ici. Et que l'unité en prière de tes serviteurs te soit agréable. Nous songeons à nos bien-aimés qui nous ont précédés dans l'au-delà. Permets que nous soyons tous à l'attente du retour de ton fils. Père, fais plus que nos prières. Exauce-nous, nous te prions. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers invités, Balingami, basipe mibali, pe papa yanabiso, partout dans les conditions où vous vous retrouvez. Isika biso na lolenge abiteni oyo bisika bozwami, je vous transmets les salutations de notre apôtre du district avec qui nous avons été ce matin. Il continue à prier pour nous et il nous aime. À l'occasion de cette vidéo transmission, la parole nous est donnée dans Ésaïe chapitre 59 et nous allons lire le premier verset. Malobe pesa mili biso na mukanda ya Ezaya na kapo ya tukumi tano na libwa na nzela ya liboso. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Boka ni sate ete loboko ya Yahwe ezali mokuse mpo abikisa bino. Matoi na ye ezaya kokangama mpo ayoka bino. La chorale va chanter un cantique. Bayembi bapesa biso eteni ya nzembo. Bien, chers frères et sœurs, chers invités. Nous vous souhaitons à vous tous la bienvenue au service divin ce soir à travers la vidéo transmission. Notre Dieu est merveilleux, il continue à nous aimer. Même s'il n'y a pas de célébration d'ensemble, mais la parole nous parvient. C'est encore pour nous une occasion de le louer. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers invités. Il arrive des fois dans la vie que quelqu'un puisse se lasser, même les enfants de Dieu. Et comme la kabiso tant mususu na katabo mo na biso mpo ete batu mususu ba mi bosa na ezala bana ya nzambe. Parfois on a l'impression que nos prières ne parviennent pas à notre Père céleste. Tant mususu tozoka nsete lo sambo na biso zoko me pa ya tata wa likolote. Quelqu'un peut se dire j'ai tant prié, j'ai même offert et j'ai pas vu de résultat. Mususu akolo ba na bondeli mingi na petit peu makabo mingi kasi na moni penza li salicité. Et il est au risque d'arriver à la conclusion que Dieu ne m'a pas écouté. Bien-aimés, nous venons de l'entendre. L'oreille de Dieu est toujours ouverte envers nous. Et sa main est tellement longue qu'elle puisse parvenir à chacun d'entre nous. Le peuple juif avait le même sentiment dans le passé. Ils se sont dit, mais nous sommes pieux, nous nous comportons bien et nous élevons nos prières vers Dieu. Comment peut-il se faire que Dieu ne puisse pas exaucer nos prières? Bien-aimé, la réponse de notre Père Céleste ne s'est pas fait attendre. L'Éternel Dieu avait mentionné, avait noté une certaine mauvaise attitude à travers le peuple juif. Il prétendait aimer Dieu, mais il n'aimait pas leur prochain. Et de l'autre côté, leurs pensées étaient centrées sur leurs propres intérêts.
Et on continue à maltraiter les autres. Bien-aimé, quel est notre comportement ce jour? Mettons-nous donc dans des dispositions telles que notre Père Céleste puisse exaucer nos prières. Alors là, il est clair de comprendre que Dieu n'exauce que les prières de ceux qui font sa volonté. Nous, comme enfants de Dieu, nous avons une grâce particulière. Par le Saint-Esprit, notre Père Céleste se rapproche davantage de nous. Et tout ce que le Saint-Esprit nous dit, c'est une consolation. Il nous dit, ma fille et mon fils, Dieu t'aime. L'Éternel Dieu est tout-puissant. Dieu veut te sauver. Peut-être que tu vas te dire, bien-aimé, que la situation à laquelle tu es en train de faire face est compliquée. Pas du tout, bien-aimé, pour notre Dieu, la situation n'est pas si compliquée. Même l'ennemi qui est en face de toi n'est pas très fort. Bien-aimé, regarde bien tout autour de toi. Comme enfant de Dieu, tu as toujours des serviteurs qui t'approchent. Mais il ne faut pas te faire des idées, il ne faut pas croire que ces serviteurs sont faibles. Peut-être que tu as commis tel ou tel péché. Tu as tué, tu as volé, tu as déçu telle ou telle personne. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ton péché n'est pas si grand que le Père Céleste ne puisse pas t'approcher de toi, s'approcher de toi pour t'aider. Alors, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'espérer en l'aide de l'Éternel. Dieu veut vous nous aider. Il veut nous conduire dans son royaume. Il veut nous sauver définitivement du mal. Il ne faut pas croire que l'aide de Dieu consiste à mettre fin aux difficultés de cette terre. Il nous aide en nous menant dans son royaume. Il veut nous mettre en tête que Dieu est là pour nous aider toujours. Maintenant, telle ou telle personne peut se poser la question, mais comment Dieu peut-il aider les autres? Bien-aimé, n'oublions pas que nous venons de commémorer la Pâque, la résurrection de notre Seigneur. Le Seigneur Jésus n'était pas allé faire du tourisme à Golgotha. Il s'est réellement sacrifié, il a fait couler son sang. Il t'a racheté, il m'a racheté. Donc, il a acquis un mérite particulier vis-à-vis de son père. Et l'incolobete azui elokomoko ya lolenge na yango epa tata na ilikolo. Cela veut dire que l'aide du Père Céleste nous fait participer au mérite du Seigneur Jésus. Et l'incolobete lisalisi nzambe ezo salisa biso mpo ete donc tia loboko na kati ya mbeka ya nkolo na biso Jésus. Voilà, Dieu, notre Dieu place des commandements au devant de nous. Bien-aimé, ça c'est une aide. Que faisons-nous des commandements de notre Père Céleste? C'est l'expression de sa volonté.
On ne nous demande pas trop, bien-aimés, pour que l'oreille de Dieu soit toujours ouverte envers nous. Pour que sa main puisse toujours nous atteindre en l'exaucement de nos prières. Nous n'avons qu'à obéir au commandement de Dieu. C'est un autre avantage, bien-aimés. Et quand nous obéissons à ce commandement, déjà nous sommes préservés de certaines mauvaises choses de cette terre. Et quand nous observons, nous obéissons à ces commandements, nous sommes bénis. Ne te demande pas pourquoi tel est béni, moi je ne suis pas béni. Et regarde ta position vis-à-vis des commandements de Dieu. Et quand je suis béni, quand toi tu es béni, nous devenons porteurs de bénédictions pour les autres. Bien-aimés, chers frères, ça ne s'arrête pas là. Est-ce que nous voyons les apôtres vivants qui sont en activité aujourd'hui? Ça aussi c'est l'aide de Dieu. Quand ils nous tendent la main, même les serviteurs qu'ils ont mandatés, nous devons nous approcher d'eux. C'est une aide de l'Éternel. Et ça, c'est l'occasion pour nous d'avoir part au retour du Seigneur. Et les apôtres nous font parvenir la parole de Dieu. Et les apôtres nous font parvenir la grâce de Dieu. Alors, regardez aussi tout autour de nous. N'est-ce pas qu'il y a une frère, n'est-ce pas qu'il y a une sœur à tes côtés? C'est pas toi qui as demandé à Dieu de mettre cette personne à tes côtés. C'est Dieu qui t'aime, qui les a rapprochés de toi. Ces frères et ces sœurs nous aiment. C'est déjà une aide de Dieu. Ces frères et ces sœurs nous soutiennent dans l'œuvre de Dieu. Et même matériellement, ils nous soutiennent. Ça, c'est l'aide de Dieu que nous ne devrions pas minimiser. Chers frères, chères sœurs, nous devons revaloriser les personnes que Dieu a mises à nos côtés. L'un des commandements dit, tu aimeras ton prochain. Si tu as aimé Dieu, aime aussi ton prochain. Mais toujours pour l'exaucement de prières, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Certains de nos frères et sœurs vont jusqu'à commander notre Dieu, à lui imposer ce qu'il devra faire. Dans la Bible, on nous parle de scribes et de pharisiens. Ils sont allés voir le Seigneur Jésus et lui ont imposé de faire un miracle. Vous savez la réponse du Seigneur? Vous là, vous êtes une race méchante. Vous êtes une race adultère. Je ne peux pas faire de miracle pour vous. Vous n'aurez pas un autre miracle. À part celui de Jonas qui a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Bien aimé, il ne faut pas forcer notre Dieu. Il faut lui demander sa volonté. Et il y en a aussi qui souhaitent du mal aux autres. Parce que quelqu'un t'a donné du tort, tu vas jusqu'à dire qu'il meurt. Tu vas même jusqu'à dire qu'il faut qu'il subisse un mauvais sort. Et toi, tu n'aimes pas ton prochain. Toi, tu ne l'aimes pas.
Penses-tu que son père, le Père Céleste, lui aussi est en train de le haïr? Pas du tout, bien-aimé. Bon, voilà, notre Seigneur Jésus était en route vers Jérusalem. Mais il devait passer par la Samarie. Mais il est arrivé dans une petite ville de la Samarie. Il devait passer la nuit. On lui a refusé le logement. Là, les disciples étaient très fâchés. Jacques et Jean, ils ont dit, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas faire tomber du feu pour consumer ces gens? Jacques, mais le Seigneur n'était pas content. Allez-vous là, vous ne savez pas quel esprit vous anime en ce moment. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes. Mais il est venu pour les sauver. Bien chers frères et sœurs. Toujours pour l'exaucement de prière. Il y a des fois que nous allons même demander à Dieu d'intervenir personnellement dans nos problèmes. Alors que nous aussi nous avons notre part à faire. Rappelez-vous de ce jeune homme qui a vu le Seigneur Jésus. Il lui a dit interviens un peu dans mon problème de succession. Regarde, mon frère ne me donne pas ma part. Mon frère ne me donne pas ma part de la succession. Dites-lui de me donner ma part. Mais le Seigneur n'était pas content. Il a dit, mais depuis quand moi j'ai été établi juge entre toi et ton frère? Bien-aimés, nous avons aussi nos difficultés, nos cas d'irréconciliabilité. Tends la main à ta sœur, tends la main à ton frère. Qu'est-ce qui vous sépare que vous ne pouvez pas transcender? Vous devez, chacun bien-aimé devra faire sa part pour que Dieu puisse continuer à exaucer ses prières. Le Fils de l'homme est venu pour sauver. Mwana na moto ayaki mpona kobikisa. Alors en faisant chacun son travail, alors na kosala moto na moto musala na ye, là on aura atteint l'objectif. Wana ndeto kokoma na bokoki penza. N'est-ce pas qu'il a dit que quand tu as l'offrande et que tu vas pour déposer dans le tronc? Et que tu te rappelles que tu dois à ton frère. Dépose là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. C'est ça faire notre part. En ce moment difficile, quelle est ta part, bien-aimé? Ou parce que tu ne peux pas te réconcilier avec tous? Ne continuons pas à accuser notre Père Céleste. Au contraire, il exauce nos prières. Il exauce les prières qui sont conformes à son plan de salut. C'est à nous d'être reconnaissants envers notre Père Céleste. C'est à nous d'être humbles vis-à-vis de notre Père Céleste. C'est à nous de donner priorité au salut avant toute autre chose. Faisons-lui confiance, bien-aimé. Il nous aime et il va continuer à nous aimer. Et rien ne peut l'en empêcher. Mais ce qui est plus important, il revient bientôt. Et quand il revient, c'est pour nous prendre et nous ramener chez nous. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Bien, chers frères et sœurs, je ne suis pas seul ce soir. Notre évêque Zakimoué m'accompagne. Puisse la chorale préparer le chemin, et l'évêque va nous servir. Épiscopon Abisso à Salisabisso.
chers frères et sœurs en Christ. Balingami mibali mpe basi kati na Kristo. Et à tous ceux qui sont connectés à cette hôtel de grâce dans des milieux différents. Baebanso ba zolanda biso na nzela ya singa na bosa meso ya bonzenga na bisika ya ndenge na ndenge. Peut-être dans le lieu de confinement ou de quarantaine. Dona bisiko yo batu ba kangami moye ba bimezalité. Aussi peut-être dans des hôpitaux. Mpe ba misusu na kati ya bandako ya monganga. Nous avons le devoir, à ce moment précis, de dire merci à notre Dieu. Et Dieu pourvoit toujours pour les siens. En écoutant la parole ce soir sur cette tuile de grâce, nous avons la ferme conviction que beaucoup d'inquiétudes vont quitter nos cœurs. Puisqu'il y a de ceux qui se posent des questions, est-ce que Dieu m'écoute? Et réellement, je suis serviteur ou je suis enfant de Dieu. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Nzamba yebingai? Et ce sont des moments de foi. La foi des enfants de Dieu n'ont pas place. À cause de certaines demandes qui ne sont pas exaucées. Mais au moment précis, notre apôtre vient nous dire que Dieu nous connaît. Nous sommes ses enfants. C'est lui qui nous a créés. Il a un projet pour nous. Et surtout en écoutant que sa main n'est pas trop courte pour sauver ou pour bénir. Il n'est pas aussi sourd pour entendre la voix de ceux qui gémissent, de ceux qui pleurent. Il entend. Il est prêt à bénir. Mais il y a une petite condition. Ceux qui vont faire sa volonté seront bénis. Et pour cela, il va entendre leur voix et il va exaucer leur prière. En bien suivant notre apôtre sur cette hôtel de grâce, au moins deux étapes qui ont ancré mon cœur. Notre apôtre a parlé de l'aide que Dieu peut accorder aux siens. Il vient de nous rappeler le service de Pâques. Si nous voyons la chose d'un entendement humain, nous n'allons pas comprendre combien de fois Dieu nous a aidés. Mais il faut voir cela d'une foi d'enfant. L'enfant dit, mon père est pour tout. Il suffit pour moi. Il fait tout pour moi. Une foi d'enfance pleine de confiance. En sacrifiant son fils unique, c'est une aide suprême. Aucune aide honorable qui peut être au-dessus des sacrifices suprêmes de Jésus-Christ. Sache le cher frère, chère sœur, que Dieu t'aime et va toujours aider. Mais il faut faire sa volonté. Pour la deuxième étape, l'exaucement des prières. Dieu écoute toute prière. Mais c'est l'exaucement. Comme un responsable ou un parent dans une maison, il a autant de demandes des parents et d'autres. Mais les parents écoutent ou les responsables écoutent. Mais ce sont les réponses qui se diffèrent. C'est avec notre Père Céleste.
Qu'est-ce que nous avons besoin dans nos prières? Ce que nous avons besoin, est-ce que ça émane de sa volonté? Prenons un exemple de deux qui sont allés prier dans les temples. Le premier, tous, ils ont eu l'envie de prier. Mais le premier a commencé à prier. Dans sa prière, il a commencé à accuser les prochains qui étaient à ses côtés. Il a commencé à se vanter, à vanter ses œuvres. Mais quant au second, il s'est humilié. Il a eu la reconnaissance d'un pécheur. Il a dit, Père, je n'ai même pas le temps de lever mes yeux devant toi. Écoute-moi, pardonne-moi. Jésus a tranché. Quelle est la vraie prière? Que Dieu peut honorer. Que Dieu peut exaucer. Chers frères et sœurs, il y a des fois, du point de vue humain, c'est ce que notre apôtre vient de dire pour les Juifs. Les Juifs, pour eux, ils voulaient faire voir leur piété devant Dieu. Et autant de prières. Mais Dieu n'a pas agréé tout cela. Puisqu'il le faisait pour leurs besoins et non pour les besoins d'autrui. Tout ce qu'ils faisaient, c'était au détriment des autres. Dieu ne pouvait pas exaucer de pareilles prières. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, quelle prière que nous pouvons adresser à Dieu pour qu'il soit exaucé? Si nous avons l'envie de dire, Dieu Père, nous voulons vivre éternellement avec auprès de toi. Dieu, nous voulons vivre éternellement auprès de toi. C'est une prière que Dieu peut exaucer. Allez devant autrui, en toute humilité, et devant Dieu. En priant, Dieu va exaucer. Priez pour être serviteur des autres. C'est une prière que Dieu va exaucer. Dieu est notre Père. Il nous connaît. Il nous a aidés. Il aide. Il va encore aider. Au plus, encore, il va exaucer nos prières. Mais une petite condition, faisons sa volonté. Que cette parole soit ancrée dans nos cœurs jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, chers frères et sœurs, chers invités, nous avons compris que nous devons être humbles. Même dans nos prières, nous ne devons pas nous comporter comme le pharisien. Mais nous devrions avoir la position du publicain. Et plus, recherchons tout d'abord le royaume de Dieu. Et toute autre chose nous sera donnée par-dessus tout. Les bonnes choses, ce sont celles qui viennent de notre Père Céleste. Il est plus fort. Demandez à un enfant de la gardienne. Maternelle. Qui est le papa le plus fort dans ce quartier? Il te dira, c'est papa, mon père. Parce qu'il a confiance en son père. Demandez à cette fillette de la maternelle toujours. Qui est la maman qui sait faire une très bonne sauce dans ce quartier? Elle te dira, c'est ma maman. C'est la confiance. Ayons confiance en notre Père Céleste. Et il va exaucer nos prières si nous restons dans son plan de salut. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, il y a une chose qui nous sépare de Dieu.
C'est le péché. Mais nous pouvons prêcher du matin au soir. Cela va nous servir à quoi tant que nous aurons nos péchés pesants sur nous? L'une des choses dont nous bénéficions dans la maison de Dieu, c'est le pardon de péché. Encore faudra-t-il reconnaître ses péchés, se repentir d'un cœur sincère, se réconcilier avec celui qui vous a causé du tort. Et là, le Seigneur va s'approcher de nous et il va nous pardonner. Il y a un virus qu'on ne sait pas voir. Même au microscope. C'est le péché. Comme nous, nous lavons les mains pour les virus de ce monde. Nous devions aussi laver notre cœur. Pour que la pandémie du moment qui est le péché ne puisse pas nous déranger. Et si nous serons propres devant notre personne. C'est ainsi que chacun va faire son examen de conscience. Et nous allons chanter pour la repentance. Je vous prie de vous lever. Ensemble, nous allons dire la prière que notre Seigneur nous a apprise. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce le remessage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et que la paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Père céleste, Dieu miséricordieux, nous te sommes très reconnaissants pour ce que tu viens de faire pour nous. Tu as bien voulu pardonner nos péchés. Nous étions beaucoup plus fatigués, mais tu nous as réconfortés. Père, demeure auprès de nous le plus longtemps possible. Abrège le temps, envoie ton Fils nous prendre. Tout ce que tu fais pour nous est bon. Merci de nous avoir donné un apôtre patriarche qui nous aime. Merci pour les apôtres, merci pour les serviteurs. Merci plus que nos prières. Écoute les prières de tes enfants. Yokalo samboya bana na yo. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour votre réussite. Père céleste, Dieu miséricordieux. À la fin de ce moment, nous te sommes très reconnaissants. Si tu as commencé avec nous, na biso, tu as cheminé avec nous, na biso, et maintenant tu veux bien terminer avec nous. Si merci pour la parole, cette nourriture d'en haut. Merci pour le pardon de péchés. Même si nous ne savons pas communier maintenant à la Sainte Sainte, nous nous préparons pour la prochaine fois que nous aurons cette occasion. Et nous savons que tu nous aimes et que tu es plus proche de nous. Père, nous prions maintenant pour tes enfants. Il y en a qui sont malades en famille et dans les hôpitaux. Il y en a qui sont en voyage loin de leur famille. Il y en a qui sont confinés ici dans notre pays et à l'étranger. À cause de cette pandémie qui dérange. Père, allonge ta main au loin et au près. Console chaque âme. Cette occasion soit l'occasion pour certains de te connaître. Nous prions pour notre pays. Sois avec l'autorité. Que les décisions soient toujours bonnes. Pour la paix et pour la protection du peuple. Nous prions pour les familles affligées. Nous prions même pour ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Mais qu'ils puissent rentrer là où ils ont été. Et qu'ensemble nous puissions espérer en le prochain retour de ton fils. Permets les offrandes qui ont été déposées. Ce n'est pas facile pour tous tes enfants d'offrir en ce moment. Mais compte le sacrifice qui est fait. Même pour ceux qui font que les images puissent nous parvenir. Même notre apôtre qui est chargé de cette logistique. Garde tous à brèche le temps. Envoie ton fils nous prendre. Exauce mon Père, nous te prions. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu Zambé, et la communion du Saint-Esprit avec vous tous. Amen. Amen. La chorale peut chanter un dernier cantique. Oh,